Une vue est égale à un like, ceci n'est pas négociable. Salut tout le monde, c'est Brookie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les dimanches pour la nouvelle couleur de crew modée sur la chaîne YouTube. Pour avoir la couleur de crew que je vous ai présentée dans cette vidéo, c'est très simple. Vous devrez aller en description de la vidéo et vous aurez un lien pour rejoindre mon crew où vous aurez le code hexadécimal à côté du hashtag GrandTFauto5 pour mettre la couleur sur votre propre crew. Vous pourrez ainsi retrouver un tuto pour vous montrer comment mettre la couleur sur votre crew si vous ne savez pas faire cela. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun autre contenu sur GTA Online. Tu pourras aussi liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci poteau. Pour avoir la couleur de crew, c'est très simple. Vous devrez aller dans un atelier de customisation et vous devrez aller dans peinture, couleur principale, aller dans les couleurs de crew et vous pourrez acheter la couleur modée pour plus de 20 000 $. Une fois fait, vous devrez aller dans les couleurs secondaires, aller dans crew et acheter une deuxième fois la couleur de crew. Vous pourrez ensuite retourner dans les couleurs principales, vous devrez aller dans les nacrés et vous pourrez mettre le nacré bleu. Bien sûr, vous ne serez pas obligé de mettre le nacré bleu, mais c'est un nacré que je vous conseille car c'est le nacré le plus beau que j'ai trouvé dans toute la liste. Et comme vous pouvez le voir, la couleur modée est juste magnifique avec un petit reflet bleuté. Pour information, car j'ai beaucoup de questions sur mes couleurs de crew en commentaire, dès que je change la couleur de crew, ne vous inquiétez pas, vous ne la perdrez pas. Dès que vous avez acheté la couleur, si je change la couleur, vous pourrez racheter la couleur sur un autre véhicule, mais en tout cas, vous ne perdrez pas les autres couleurs sur vos véhicules. Vidéo très rapide, si vous n'avez pas compris certaines parties, n'oubliez pas de me poser des questions en commentaire. Pour ne rater qu'un autre contenu sur GTA Online, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Objectif 10 likes, je vous dis, c'était Brookie, bye bye.